Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce petit vlog donc sur l'Arena Goliath, soirée qui était organisée donc à Marseille par Christian Barré, une organisation marseillaise. C'était la troisième. Donc le titre de cette soirée c'était Marseille vs le monde. Je remercie l'organisation pour leur confiance. J'étais un sponsor partenaire donc de cette soirée. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et c'était une magnifique soirée. Je vous laisse avec les images. Alors, début du premier combat amateur, très très chaud, la salle était en ébullition. Le Marseille Fight Club, là comme vous allez pouvoir voir à l'écran, donc il va y avoir Sofiane Belaïd et le combattant du PFL, Yazid Chouchane. Et ça va, tu rigoles tout seul maintenant, tu fais tes bandes et tout. Je suis vieux, Ça va toi? Excuse-moi, j'avais pas capté, j'étais ailleurs. Salut, ça va? Tranquillement? Bien? Impeccable? Ça va? Ça va, c'est bon? Ça va, impeccable, tu vas bien? Ça va, tranquillement? Ça va, réfugié de toi, jamais en France, ça va tout le monde? Vous allez mettre le feu, Inch'Allah. Ça va, tranquillement, frérot? Impeccable? Ça va ou quoi? Ça va, frérot, on a la forme, hein? Ouais. On est là, hein? Ah, il a collé le nez. Il a collé le nez, hein? Il sait pas ce qui lui attend. C'est le jeu. Alors le premier combat professionnel de cette soirée, donc c'était Malek Ben Moussa qui représente la bonne école à Montpellier. Clairement, il a mis le KO de la soirée. L'entrée de Mathieu Morsi, qu'on ne présente plus, le combattant marseillais. Ça a été un combat très très disputé dans le premier round. Voilà, il y a eu de belles amenées au sol de Mathieu. Voilà, ça s'est conclu ben, par un KO, high kick. Voilà, on va attendre là 2 minutes. Okay. Je te jure, ça. D'accord. Tu nous regardes, c'est bon. Là, clairement, pour l'entrée de Sofiane Belaïd, la salle était en ébullition. Sofiane Belaïd qui allait affronter Yuri Panada. Donc, c'était un combat très serré sur le papier, sincèrement. Et ça a laissé ça dans la cage, vous allez voir. Et j'ai oublié Sofiane Belaïd qui s'entraîne au Marseille Fight Club, bien sûr, le club de Jean-Michel Foissard. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du beau monde dans le coin de Sofiane Belaïd. Et Margui, donc double champion de l'Hexagone. Il y avait aussi Wilson Varela, combattant du KSW, qui vient d'ailleurs de rentrer dans le top 10.
Mais alors, on va les couper. Dégagage, N2. Un, deux. Allez, je sais qu'on fait ça. Que là. Allez. 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 L'entrée de Yvan Sorel, la dernière entrée de Yvan Sorel parce qu'il dépose les gants. Après ce combat, il prend sa retraite. Bon rétablissement à lui. Une entrée magnifique qu'il a fait sur un son personnalisé fait par L.I.M., le chanteur qu'on ne présente plus. Donc l'adversaire de Ilyes Jeroun, Mauricio Otalora, donc un Colombien. Ilyes Jeroun. Et là, ben, c'est l'entrée de Ilyes Jeroun, c'était le main event de la soirée. Ilyes Jeroun qui revenait d'une défaite, donc qui avait à cœur de prendre cette victoire. Voilà, je vous laisse sur les images. Magnifique entrée de Ilyes aka Broly Jeroun. Pareil, un coin de qualité. Jean-Michel Foissard, Aldric Asata, Marseille Fight Club, Boxing Squad. Alors là, ça c'est un coin de très très grande qualité. Dans le coin rouge, Ilyes Jeroun. Trois reprises de 5 minutes pour ce combat organisé par M. Patricio Carlos dans les règles du MMA. Vite, Jeff,
vlog touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de MMA. Il y a beaucoup de contenu à venir, des interviews. Voilà, c'était une magnifique soirée. Encore merci à Christian Barré pour cette soirée de MMA à Marseille.